Olivier Kahn réagit bizarrement lorsque Sadio Mané marque. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Sadio Mané et Olivier Kahn. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous parlons de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fini, parti. Alors, les gars, le Bayern de Munich jouait Mayence, match où ils ont perdu 3 buts à 1 et Sadio Mané a marqué ce match. Et c'est Sadio Mané qui ouvre derrière la marque pour le Bayern avant que Mayence renverse le match 3 buts à 1. Lorsque Sadio Mané marque, donc, Olivier Kahn n'est pas content. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il n'est pas content parce qu'il sent que son équipe peut vaciller et que le match peut basculer? Si c'est le cas, tant mieux. Mais s'il n'est pas content juste après l'altercation qu'il y a entre Leroy Sané et Sadio Mané, franchement, moi je peux vraiment dire que ce n'est pas un grand président. Parce que les bagarres dans le vestiaire, il y en a tous les jours. Les bagarres dans le vestiaire, il y en a tous les jours. C'est juste parce qu'on n'immédiatise pas ça. C'est juste parce qu'on n'en parle pas de ça. Mais sinon, des bagarres, il y en a tous les jours dans les vestiaires, les gars. Tous les jours. Ce n'est pas qu'on encourage de la violence. On n'encourage pas la violence. C'est juste une triste réalité. Des bagarres, il y en a tous les jours dans les vestiaires, aux entraînements. Donc, s'il est fâché parce que Mané s'est mal comporté envers Leroy Sané, franchement, moi je trouve que ce n'est pas un président classe. En revanche, s'il est fâché parce qu'il sent que son équipe va vaciller, là je peux comprendre. Là je peux comprendre. Mais Olivier Kahn, les gars, vu l'extérieur, je vois comme s'il n'est pas en bon terme avec Sadio Mané. Maintenant, donc, c'est Sadio Mané donc, de quitter, de faire les bonnes performances ou bien de quitter le Bayern. Mais ce que moi je conseille à Sadio Mané, c'est de faire les bonnes performances pour ensuite trouver un point de chute. Parce que même si tu veux quitter le Bayern même, tu dois faire les bonnes performances pour aller dans un grand club, peut-être comme le Barça. J'en sais rien, moi. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Donne-moi ton retour en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.